Bonjour, je vais vous présenter Heroicland, le projet de parc d'attractions à Calais au nord de la France. Il s'agit d'un grand parc d'attractions international qui devrait ouvrir en 2019 et nous visons un objectif de 1,5 million de visiteurs par an. Aujourd'hui, le projet avance extrêmement bien. Depuis fin 2015, nous avons signé un grand contrat de territoire avec l'État, la région, le département, la ville de Calais, la communauté d'agglomération de Calais, fédérant ainsi les partenaires publics autour du projet qui amènent des moyens financiers. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'un parc d'attractions, mais d'un projet global, puisqu'à côté d'un parc sur 40 hectares, nous avons un quartier urbain d'une dizaine d'hectares qui fait la jonction entre le parc et la ville, où sera construit un village commercial ainsi que deux hôtels. À côté de ça, nous avons un parking de 10 hectares, donc le site total est d'environ 59 hectares. En avancée récente, nous avons recruté un groupement d'architectes et de bureaux de sécurité pour déposer le permis d'ici l'été. Nous avons signé deux grands contrats de licence à l'occasion du MIPIM 2016, l'une sur le personnage de bande dessinée de science-fiction Valérian, qui sera très prochainement dans l'actualité avec le film de Luc Besson, et l'autre avec Black et Mortimer, qui est une des très grandes bandes dessinées franco-belges derrière Tintin et Astérix. Nous visons une clientèle internationale, française, belge, néerlandaise, anglaise. Nous sommes en phase de levée de fonds. Pour cela, nous avons constitué une équipe avec des partenaires spécialisés, Ernst & Young comme conseil financier et comme conseil juridique pour nous assister dans les signatures de pactes d'actionnaires ou de structuration juridique des sociétés, le cabinet international Bird & Bird. Oui, le thème du parc, je suis allé un peu vite. Il s'agit d'un parc d'une nouvelle génération sur des thématiques assez modernes. Vous êtes un héros, comme le nom l'indique, et vous naviguez à travers des univers comme le manga, la science-fiction, l'heroic fantasy, des grands aventuriers, courses automobiles, attractions sous-marines, ainsi que le steampunk, c'est-à-dire le monde de Jules Verne.